Aloha, bienvenue sur La Douceur de Médusa, je suis Patricia Chanel, écrivain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du dieu Geb. Un réveil en douceur, au-delà de l'accélération des partitions. Vous ne percevez que très peu. C'est bon. Vous appelez ça de la programmation. De l'évolution. Malgré certaines attitudes, certaines habitudes, que vous pensez avoir ou auquel vous pensez être attaché. Tout n'est qu'avancer. Même dans le temps, les cycles que vous avez pour habitude de voir se jouer en extériorité ne sont pas les mêmes, jamais. Ils ont chaque instant à son authenticité, sa vérité. Même dans les positions que vous pensez jouer et rejouer sans cesse, eh bien, oui, vous pouvez choisir de rejouer une scène. Mais même rejouer en infini, elle portera sa vérité. Son instantanéité. Dans l'architecture de vos vies, il y a des énergies qui acceptent ou apportent leur concours à ce jeu. Ce jeu du jeu. Vous avez bien plus de richesse que vous ne le supposez. Vous partez bien souvent dans vos idées avec l'idée majeure que tout est joué. Cette impression de jeu prédéfini, prédicté, vient du fait que vous savez que vous êtes l'écrivain, le réalisateur, l'acteur. Mais cela ne suppose en aucun cas d'être piégé ou figé dans telle ou telle scène, tel ou tel schéma. Ces pièges dans lesquels vous tombez
sont vos choix. Et comme ils sont vos choix, avec pour écrivain, réalisateur et acteur vous-même, tout ce qui se joue en apparence, en extérieur, fait partie de votre pièce de théâtre. Cela semble très éloigné de ce que vous croyez être. Et souvent, il y a des grincements, des emportements sur cet extérieur qui vient contrecarrer vos volontés. Cet extérieur vient renforcer votre création, en fait. Et non pas l'embêter ou l'annihiler. Aussi, regardez le joyau que vous êtes. Cette pierre précieuse qui sommeille, mais qui n'en est pas moins là. Et quand je dis sommeil, elle a cette forme ensommeillée dans votre réalité. Mais rien ne sommeille. Tout vit. Tout est en union et cohésion. Il n'y a pas un arbre qui ignore le caillou qui se tient à ses pieds. Et il n'y a pas un caillou qui feint d'ignorer l'arbre au pied duquel il se tient. Voyez-vous dans votre entier? Voyez vos pieds bien enracinés, contrairement à toutes vos pensées. Et voyez-les, ces pensées, aimez-les. Saluez-les, de loin ou de près. Tout vient alimenter et enrichir cette partition de vision que vous êtes. C'est une véritable richesse. Utilisez-la. Merci, à bientôt.